Bonjour tout le monde! 26e vidéo du défi 86 aujourd'hui. Yes! 26 jours. Ça veut dire qu'il reste quoi? 60 quelques jours avant le grand jour, hein? Avant le grand party du 27 septembre. J'ai super hâte. Ça va être vraiment le fun. Franchement, ça commence à se dessiner les préparatifs. Ça, c'est pas mal le fun. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir et de la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Comment ça marche cette affaire-là? Eh bien, c'est pour ça que je voulais vous parler du septième ciel aujourd'hui, parce que vivre le septième ciel, c'est ça. C'est un programme, OK? Et dans ce programme-là, c'est hyper, hyper, hyper complet. Si vous voulez faire un cheminement, appelez ça une thérapie si vous voulez, mais j'aime pas ça. Moi, je dis un accompagnement, un cheminement, c'est un programme où il y a une formation à l'intérieur. Bon, premièrement, il y a une formation qui dure 7 semaines, c'est-à-dire qui est étalée sur 7 semaines. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre 7 semaines pour la faire. Vous pouvez la faire dans le temps que vous voulez. Mais il y a une formation en 7 semaines à l'intérieur et qui est percutante. Okay? Ça vient vraiment nous percuter, ça vient soulever des prises de conscience, ça vient faire des questionnements, parce qu'à quelque part, les réponses, on les a toutes. Hein? Ils sont tous dans le corps. Puis c'est ça la magie des sens. C'est que le corps, cette machine fantastique, détient toutes les réponses. Ce qu'on cherche ici, c'est situé ailleurs dans le corps. Parce que ici, c'est le raisonnement, ici, c'est le filtreur, c'est lui qui nous induit en erreur, c'est l'ego. Hein? Il faut arriver à descendre au niveau du cœur. Et pour ça, il faut faire parler le corps pour arriver à saisir ce qui est imprégné là et ce qu'il y a à dire. Donc, c'est comme ça qu'on procède finalement pour toucher et vivre le septième ciel. C'est d'arriver à prendre conscience, à ressentir, à sentir pour être capable de s'en occuper et d'arriver à faire la paix avec ça. C'est tout le processus. Pour arriver à toucher à cette paix-là, on y procède de plusieurs façons. C'est-à-dire que, premièrement, il y a la formation en 7 semaines. Ensuite, vous avez des intervenants. Okay, il y a plusieurs intervenants à travers la formation qui viennent apporter chacun leur expertise. Ils sont là en soutien pour vous. Vous avez juste à vous connecter et vous avez accès à ces professionnels-là tout à fait gratuitement à travers ce programme-là. Donc, il y en a qui sont là pour écouter les émotions, pour venir sentir, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis brassée, mieux se comprendre dans nos émotions. Il y en a d'autres que ça va être pour apprendre à mieux communiquer. Rentrer en relation, pourquoi la façon que je le dis, comment ça, pourquoi ça passe pas, qu'est-ce qu'on a besoin de voir dans notre langage, dans notre comportement qui fait que je fais cette réaction-là chez l'autre. Ça, c'est super intéressant. On a des professionnels qui vont être davantage au niveau de ce que je porte, d'où est-ce que ça vient, j'ai pas nécessairement conscience, les hérédités. Ce qui me vient de l'éducation de mes parents, ce qui vient de leurs parents, etc., et ce que je reproduis sans m'en rendre compte. Comprendre notre fonctionnement quelque part. On en a d'autres qui sont sur le pardon, nous aider à faire la paix avec les rancunes, les haines, la colère, l'agressivité qu'on peut porter. Vous en avez d'autres qui vont être là pour faire des interventions, pour l'acceptation de son corps, etc. Donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a plusieurs interventions différentes. Je fais intervenir plusieurs intervenants dépendant de ce que je vois qui se passe et je vais chercher un professionnel. Mais il y en a qui sont là de façon récurrente, continuellement. Et il y a moi qui vous accompagne et il y a mon conjoint également qui est présent pour que vous puissiez, en tant qu'homme, ventiler. Parce que c'est beau, des fois on vit des choses et on n'est pas nécessairement en mesure d'être entendu par notre partenaire parce qu'il est tanné de nous entendre. Okay? Fait que le fait de ventiler, de venir faire sortir le trop-plein et essayer de faire du ménage dans ce qui se passe à l'intérieur, ça fait du bien d'en parler. Et d'en parler à quelqu'un qui est capable de l'entendre
et d'en parler à quelqu'un qui est capable des fois de vous réaligner, de vous resituer. Donc, il y a moi et il y a mon conjoint dans ce rôle-là, moi plus particulièrement avec plus de temps de disponibilité, où je vous accompagne. Dans cette aventure, je suis très, très disponible, en tout cas, pour vous accompagner dans ça. Je pense que le secret est là, d'ailleurs. Hein? Quand on fait une formation, si on fait juste une formation, exemple, en ligne, qu'on écoute des vidéos, c'est intéressant, on accumule du savoir, on accumule de la connaissance. Mais tant que ça reste à ce niveau-là, ça ne fait pas l'effet qu'on a besoin d'avoir. Hein? Ça reste du savoir. On a besoin de faire descendre ça au niveau du cœur pour que ça puisse venir faire résonance et qu'on puisse s'en libérer et aller chercher de la paix à l'intérieur de ça. Tout l'enjeu est là-dedans. C'est pour ça que le septième ciel, j'ai misé sur le chiffre 7. Parce que pour moi, le chiffre, la signification du chiffre 7 signifie à l'infini, une infinité. C'est-à-dire que c'est 7 fois 77 fois 777, c'est quelque chose qui... Dieu créa le monde en 7 jours, donc en une infinité de temps. OK? C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que je ne mets pas de pression de temps. C'est sûr que même si la formation en tant que telle est en 7 semaines, le chiffre 7 veut dire en une infinité de temps. Donc, vous prenez le temps que vous avez besoin pour le faire. Et mon accompagnement s'étire sur 7 mois, 7 ans. Tant que vous en avez besoin, je suis là. Je ne kick pas personne out. T'sais, je vous garde avec moi. Vous avez le droit d'avoir accès aux professionnels. Vous avez le droit d'avoir accès à tous les outils qui sont là. Et c'est une formation qui est vivante. C'est une formation qui est toujours en progression et qui va s'alimenter, qui va augmenter en fait de qualité. Là, je m'en viens au mois de septembre. Je vous offre des choix différents. À travers le programme. Donc, j'ai parlé avec Robert Savoie et Robert accepte très, très généreusement de nous offrir sa formation Phoenix pour le pardon. Aller vraiment faire cette démarche-là du pardon à un prix très, très, très raisonnable, très concurrentiel. Donc, à rabais pour ceux qui vont adhérer au programme. Fait que ce sera une option dont vous allez pouvoir bénéficier que de faire et le programme Vive le septième ciel et bénéficier de cette fin de semaine de 2 jours et demi, presque 3 jours, en formation Phoenix avec Robert Savoie pour travailler en profondeur le pardon. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant à vivre. Donc, c'est une option que je vais offrir pour la prochaine cohorte qui s'en vient. Là. Fait qu'on commence les inscriptions, ça s'en vient, on commence. Là. On commence déjà la période d'inscription. Je vais offrir une autre option aussi, qui est l'option néo-sexopédie. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, vous désirez œuvrer à le plaisir des sens, le savoir-faire, le savoir-être sexuel. Si vous voulez aller chercher cette expertise-là, faut passer par le septième ciel. Et il y a un ajout en temps, naturellement, où on va prendre du temps de supplémentaire pour venir raffiner cette formation-là pour que vous puissiez éventuellement vous aussi enseigner cette matière-là. Fait que ça, c'est une autre option que je vais offrir pour la cohorte qui s'en vient en septembre. Fait que là, c'est ça, là. C'est ce que je suis en train de vous préparer. C'est ce qui est sur la table. D'ici quelques jours, là, ça devrait être prêt. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. C'est des choses que ça fait déjà un bout de temps. J'en ai déjà, d'ailleurs, une qui est en formation présentement. Ça arrive comme ça. C'est des demandes qui rentrent, que je réponds à la demande. Et on a tous besoin de ça, de retoucher à soi, à notre essence, à notre féminin, au féminin sacré. Je pense que tout ça est tellement, tellement, tellement important. D'avoir un sentiment, une sensation de bien-être, lâcher cette pulsion de mort, ce mal-être ou vivre sur le neutre,
Je ne sais pas si vous vivez sur le neutre. Il y en a qui sont plus sur le neutre, il y en a qui sont plus sur le down. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez envie d'amener votre vie à un autre niveau et de faire partie d'une gang? Parce qu'on commence à être plusieurs et on fait un beau groupe où les gens s'entraident beaucoup. Ça devient... C'est très chaleureux, hein? Parce qu'on... On partage à quelque part nos vies, nos souffrances et on progresse tout le monde. Puis tout le monde est intéressé de voir la progression un peu que tout le monde fait aussi en même temps là-dedans. C'est super trippant. Et on se sent pas seul. On se sent accompagné. On se sent faire partie vraiment d'une grande famille. Puis ça, c'est, je trouve que c'est réconfortant, c'est sécurisant. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Hein. En fait, il y a 5 blessures d'âme, hein, puis on est combien d'êtres humains sur la Terre? On vit tous avec ces blessures-là, tout le monde. Fait que, je veux dire, on pense qu'on est seul au monde, on vit toutes les mêmes affaires, là, à quelque part. Les circonstances vont être différentes, mais on est tous déclenchés dans les mêmes choses. Fait que, apprendre à mieux vivre avec ça, à ressentir le bien-être, faire la paix avec soi, c'est un cadeau absolument fantastique. Fait que c'est ça, c'est à peu près ça le 7e ciel. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Donc, c'est sûr que dans les prochains jours, je vais vous en parler davantage. On va décortiquer des sujets. Si vous avez aimé mes lives jusqu'à présent, ça fait partie de la matière que l'on parle. Ça fait partie de la matière que l'on aborde dans le 7e ciel. Parce que pour moi, toucher le 7e ciel, c'est d'arriver à être bien, en paix avec soi, d'être où je veux être dans la vie, et d'avoir une sexualité également qui me convient, qui me satisfait, qui m'épanouit, d'avoir des relations extérieures, des relations de couple qui sont harmonieuses aussi. C'est tout ça, dans le fond, vivre le 7e ciel. Est-ce que ça se fait en 7 semaines? Non, mais déjà dans les 2 premières semaines, et my God, que le changement est majeur. Déjà dans les 2 premières semaines, ça brasse. Mais il faut être prête à travailler sur soi. Ben, puis même, je ne dis pas travailler. Il faut être prête à s'accueillir. Il faut être prête à vraiment s'observer et voir c'est quoi que je vis, c'est quoi qui se passe en moi, mon fonctionnement, comment est-ce que je peux faire pour avoir plein pouvoir sur moi-même. Et sur mon bien-être. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et c'est ça. Vive le 7e ciel. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je vais faire parler quelques-uns de mes élèves là, dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines, vous allez en entendre quelques-uns qui vont sûrement vous faire des témoignages. Là. Et de leur expérience avec le 7e ciel, comment est-ce que ça l'a transformé pour eux autres. Qu'est-ce que ça a fait dans leur vie. Fait que vous allez avoir certains témoignages de gens qui l'ont vécu et qui sont passés par là. Fait que sur ce, moi, je vous laisse aujourd'hui. J'avais le lien en dessous. Si vous pensez que c'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose que vous avez envie de vivre, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous voulez jaser avec moi, bien, prenez un appel. J'ai mis le lien en dessous. Vous avez juste à céduler un appel avec moi, puis on va se jaser, on va discuter. Je vous aime, je vous adore. Bonne fin de journée. À demain.